Good morgen, allez, Idan Letus aujourd'hui, Leilo Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, ainsi que l'Irfouat, Hanale Abad Gitel Devora et Sarah Bat Nechama Vitor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez le Sagunet Éternel, nous étudions Masachat Psachim, Perikhtet Mishnah Dalet, A Pesach Sheba Betouma, Lo Yochlo Mimenu, Zavin Vezavot, Nidot Veyoldot. Veim Achlu, Turin Mikaret, Rabbi Eliezer Potter, Af al Biyat Mikdash. On revient cette fois-ci sur le Korban Pessah, sur le Ragil habituel, classique du 14 Nisan, pas du 14 Iyar, pas le Pessah Chani. Et la Mishnah en scène, un Pessah Sheba Betouma. Un Pessah lorsque je te permets de le faire dans l'impureté. On avait appris une règle que. D'abord, je vais rappeler un petit peu ce principe. Il y a le Korban Pessah. Lorsque tout le Ham Israël est impur, ou même la majorité du Ham Israël est impur, avec une impureté de contact avec les morts, alors la Torah nous a dit, ben, si, puisque vous êtes la majorité impure, vous ferez le Korban Pessah dans l'impureté. C'est un grand chidouche. Il y a quelques petites halachot. C'est la seule fois en fait de la Torah où on va apporter un korban, et on va le manger alors qu'on est tous impurs. Normalement, quelqu'un qui est impur, il y a un interdit de karet de manger un korban alors qu'on est impur. On a pas le droit de manger un korban qu'on est impur. Mais lorsque la majorité du Ham Israël est impur pour le korban Pessah spécifiquement, avec l'impureté qu'il a été en contact avec un mort, alors la Torah nous a dit, ben, vous ferez le korban, vous allez entrer dans le Beth Amikdash, alors que même de rentrer dans le Beth Amikdash alors qu'on est impur, normalement c'est Chayav Karet. Et vous, à manger un korban, malgré tout la Torah nous a dit, oui, comme le mémisa de korban Pessah, elle va repousser l'impureté. D'accord? Mais j'insiste, que s'il y a la majorité du peuple Israël qui est impur, avec, en plus, une impureté des morts. Dans le contact avec les morts. Par contre, si la majorité du peuple Israël est impur, mais par d'autres impuretés, par exemple, Toumat Ziva, Nida, là c'est dire, Nida ça concerne que les femmes. Non, c'est pas vrai, c'est pas même concerné les hommes. Si les hommes, ils ont eu un rapport avec une femme qui était Nida, il a la même impureté de Nida. Et donc, il y a comme ça, on a le Rov du peuple Israël qui est impur, mais pas à cause d'une impureté des morts, alors, eh ben, le Rov du Ham Israël ne fera pas le Korban Pessah. Rishon, ils feront le Korban Pessah Sheni. D'accord? J'insiste, retenez maintenant une chose. Face à l'impureté du contact avec les morts, on a vu qu'on lève l'interdit de cette impureté pour le manger. Alors que l'impureté des autres impuretés, de Toumat Ziva, Nida et toutes sortes d'impuretés, Yoledet, la femme qui est en couche aussi, eh ben, pour toutes ces impuretés, ça n'existe pas de repousser l'impureté pour manger le korban de Pessah. De ce fait, la Mishnah vient m'enseigner. A Pessah Sheba Betouma. Un Pessah qui est venu avec impureté, c'est-à-dire, on était dans une année où la majorité du Ham Israël elle était impure, on a eu donc levé l'impureté des morts, par exemple, il y a eu le roi d'Israël qui est décédé, on s'est tous joints à la Levaya, on est tous devenus impurs. Il est décédé le 13 Nissan, le 12 Nissan, donc on est tous impurs, on n'a plus le temps de se purifier. Alors la Torah nous a dit, ben, repoussez l'interdit de l'impureté, vous pourrez apporter le korban pessah alors que vous êtes impur. Mais attention, lo yochlo mimenu zavin vezavot nidot veyoldot. Bien que je lève l'impureté pour le korban pessah, je ne le lève que pour ceux qui étaient en contact avec un mort, mais pas pour les avin vezavot nidot veyoldot. Différents types d'impuretés, les avin vezavot, ce sont, on va commencer plutôt par la nida, c'est plus facile, la nida on sait ce que c'est, une femme qui a ses règles, elle est impure. Idem pour la zava. La zava, c'est une autre forme. C'est aussi du sang qui s'écoule d'elle. Mais dans une période où elle n'était pas censée avoir du sang. Donc, ça prend un autre statut de Toumat Ziva. Ou encore Zavin, cette fois-ci, c'est un homme qui a des. C'est pas un épanchement classique. C'est pas une Toumat Keri. C'est un autre liquide qui sort. Gluant aussi, mais c'est pas la même chose que le Zera classique. Et donc, toutes ces impuretés-là. Et Yoldot aussi, Yoledet, la femme qui a accouché pendant 7 jours pour un garçon, même pour manger le korban, c'est 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille. Et où elle n'a pas le droit de manger le korban. D'accord? Toutes ces personnes-là, donc elles sont impures, elles ne peuvent pas manger le korban. La Mishnah vient m'enseigner. Sache que même si le Ham Israël a fait le korban Pessah alors qu'il était impur, et qu'on a levé l'impureté, on n'avait que l'impureté de ceux qui étaient en contact avec les morts, mais pas l'impureté de Zavin, Bezavot, Nidot, Vieldot, eux, ils devront faire le korban pessah sheni. Du coup, la Mishnah enseigne malgré tout, veim achlu enan chayvim karet, pturim karet. Et s'ils ont consommé malgré tout, eh ben ils seront dispensés du korban karet.
de l'interdit de karet, la condamnation du ciel par de retranchement. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'on mange un korban alors qu'on est impur, on est chayav karet. Mais là, cette fois-ci, la Torah l'insiste. Kol taor yochal kodesh, yochal basar. Toute personne pure pourra manger le korban, basar, la viande. Mais le pasuk qui me dit, va nefesh asher tochal basar, et la personne impure qui va manger de le korban, donc il sera chayav karet. Et là, on a un limo de regarder, on a parlé que kol taor yochal basar. Une viande qui est mangée par une personne pure, alors on est chayav karet, on la mange alors qu'on est impur. Mais une viande qui est de korban qui sera consommée même par une personne qui était impure, parce qu'on a levé l'interdit de l'impureté cette année-là, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de chiyuv karet. Même mieux que ça, maintenant, Rabbi Eliezer poter afal biyat migdash. Rabbi Eliezer, il a un très grand chidouche. Même entrer dans l'enceinte du Beth Amikdash, si ces personnes-là qui n'ont pas le droit de rentrer vont entrer ce jour-là dans l'enceinte du Beth Amikdash, eh bien, ils ne seront pas condamnés à mort. C'est-à-dire, ils ne seront pas condamnés à mort. Il n'y aura pas de chiyuv karet, de condamnation à mort du ciel. Il n'y aura pas de chiyuv de retranchement dans un cas pareil. C'est-à-dire, je m'explique. Entrer impur, aujourd'hui, quelqu'un, les gens, si vous ne savez pas, dites-le, faites-le savoir au maximum. Malheureusement, c'est une catastrophe. Les touristes qui veulent entrer, même les Israéliens, qui veulent entrer au Harabait, sur le monde de l'esplanade des mosquées, c'est très grave. Si on n'a pas fait l'impureté comme il fallait, c'est très grave. Et même si on a fait l'impureté, tous les rabbins m'ont interdit de le faire. On ne sait pas comment il faut se purifier. Et à cause de toi, il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre à rentrer. C'est une avéra très grave. On ne rentre pas dans le collège, dans l'enceinte, dans le Harabait. Alors qu'on a une Toumat Ziva, c'est compliqué de se purifier. D'accord? Et maintenant, ça c'était vraiment la parenthèse. Maintenant, de manière générale, on a, lorsque, ça c'est l'interdit d'entrer, de pénétrer alors qu'on est impur. Là, Torah elle a parlé de Kol Veshal Romina Machane, Kol Tsarua Vechozav, Vechol Tamana Nefesh. Kol Tsarua, celui qui a une Torah qui a la lèpre, Vecholzav, celui qui a des épanchements, Vechol Tamana Nefesh est celui qui est impur parce qu'elle est en contact avec un mort. Ils devront être chacun être envoyé d'un niveau différent, peu importe, être envoyé, ne pas entrer dans le Beth Amikdash. Lorsque Rabbi Eliezer déduit, si les trois, je te demande de les exclure, de les faire sortir du Beth Amikdash, alors il y aura un interdit de karet lorsqu'ils vont transgresser. Mais si par rapport à ces trois pôles, ces trois personnes, il y en a un qui a le droit de rentrer de toute façon, c'est le Tamé la Nefesh, comme c'est le cas, l'année où on a apporté un korban bizarre alors qu'on était impur, on est entré alors qu'on était impur, on avait le droit de faire le korban. Puisque cette fois-ci, on n'a plus le trio de Kol Tsarua, Vecholza, Vechol Tamela Nefesh, puisqu'il y en a un qui a le droit de rentrer, alors du coup, si les autres sont entrés dans le Beth Amikdash ce jour-là, ils ne seront pas passibles de Chiyuv Karet. D'accord? La halakha n'est pas fixée comme Rabbi Eliezer, mais donc il y aura un interdit de Karet Behemet si quelqu'un qui n'a pas été convié et qui va venir malgré tout dans le Beth Amikdash, eh bien il transgressera l'interdit d'entrer au Beth Amikdash alors qu'il en a pur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pleine. Aslacha kol tov. Salam.